C'est déclenché. Allez, deux secondes. L'habit ne fait pas le... Excusez-moi. L'habit ne fait pas le moine. Est-ce que c'est une expression qui fait problème, en fait. Quand je dis à quelqu'un « l'habit ne fait pas le moine », comment il doit vivre ça? Comme si je vous dis « l'habit ne fait pas le moine », comment est-ce que vous vous sentez accusé ou mis en cause? Par exemple, quand on me voit, bon, il y a certaines personnes voilà, qui me voient, voilà, ils pourraient s'imaginer que je suis... Dans la société actuelle, les gens s'attachent beaucoup à l'apparence. Bah, regarde, moi personnellement, voilà. je te prends pour un PDG d'entreprise. Bon, alors l'apparence. Toi. Alors l'apparence. Bah, il est bien distingué. Regardez Mousse, par exemple. Oui. Apparemment, il parle français. Hein? Donc il y a l'habit fait le palmoine, on a l'impression que parce qu'il parle français, il est français. Mais en réalité, il ne l'est pas vraiment. Le fait de parler français, c'est un habit. Qu'est-ce que tu racontes de ta façon de voir les choses. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Le fait de... Parce que j'ai une tête de rebeu que je parle pas français, qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise? C'est comme... Moi je mettrais ça, l'habit ne fait pas le moine. Mais vous n'avez pas... Vous avez certains éléments, mais pas tout. C'est comme... L'habit ne fait pas le moine, je mettrais ça. En parallèle, si vous voulez, avec. C'est bien ce que tu veux dire, non, par là. Eh ben, excuse-moi, c'est une sorte de métaphore. Mais c'est l'expression, l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire qu'il faut pas se méfier des apparences. Tu m'attaques, tu fais. Alors. Oui, alors. Pour Maître Vergès, Maître. Dupont-Moretti. On arrête. Non, on continue. Consultation, oui, alors. Oui, c'est comme. Oui. Défoncez pas tout de suite 50 euros. Oui. Alors moi, l'habit ne fait pas le moine, je mettrai ça en parallèle avec la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oui. Vous connaissez ça? Oui. Ah non, on pourrait dire aussi par exemple que le... Moi je connais pas ce métaphore, moi je sais ce qu'elle est. Ça vient de qui vous expliquera? Mais ça vient de qui? C'est qui qui a fait cette expression? Non mais lui, la lettre, écoutez, vous calmez, vous n'êtes pas le centre du monde, hein, d'accord? Bon, alors il n'y a pas que vous. Il y a un autre proverbe qui dit aussi que la kippa n'est pas un couvercle forcément. Alors, l'habit ne fait pas le moine, on est d'accord qu'il faut transposer. Ça peut être, par exemple, certaines apparences. Oui. Apparences de sorte. Oui, parce que, par exemple, si je regarde, par exemple, les juifs ultra-orthodoxes, par exemple, qui vivent à Meacharim, d'accord? Si je regardais juste avec mes yeux comme ça, voilà. Il est con, il est con, il est rare, en tant que. C'est pas le cirque ici. En tant qu'intégriste catholique, d'accord, voilà, en tant qu'intégriste, c'est-à-dire en tant que chacun a son tour, mon pauvre ami. En tant que personne. Mais les 5 minutes, ils ont passé. Oui, j'ai entendu. Oui, en tant que personne voilà, qui aime bien. C'est notre invité d'honneur, vous comprenez ça? C'est lui le centre. Oui, en tant que personne qui apprécie la droiture, si vous voulez. Voilà, si je regarde, voilà, juste avec mes yeux, par exemple, voilà, des juifs ultra-orthodoxes, par exemple, qui disent Amer Shérim, bon, je vais avoir l'impression. Si vous supportez pas. Moi, en tant que catholique intégriste, vous imposez pas cette. Que ce sont des gens très bien. Si vous supportez voilà pas, parce que. Pardonnez-moi, voilà parce que. Voilà parce qu'ils sont très attachés, si vous voulez. On vous oblige pas d'être là. Oui, parce qu'ils sont très attachés à la loi. D'accord? Voilà, ils sont très attachés à la loi. Voilà. Voilà. Voilà, mais. Leur problème, si vous voulez, voilà, c'est que bon, ils sont très attachés à la loi. C'est la chrétienne, ça. Oui. C'est la critique chrétienne. Oui. Les juifs sont il leur manque. Et l'esprit, c'est les chrétiens. Voilà, mais il leur manque l'esprit, si vous voulez. Voilà, mais il leur manque l'esprit. C'est comme si je regarde, par exemple, un musulman salafiste. Vous voyez?
bon, qui va vous dire, bon, ah ben moi, je veux pratiquer l'islam, voilà, comme à l'époque de Mahomet. Ben moi, moi en tant qu'intégriste, non mais il y a des bons. Je veux dire, ah ben ce type-là, il est très bien, voilà, parce qu'il veut, voilà, il veut rester, voilà, comme toujours, voilà, il veut pas, voilà, oui, il est très, voilà, je peux répondre aussi, voilà. Donc moi je peux répondre. Sauf que malheureusement, voilà. Vous ne pouvez pas vous calmer une seconde, hein. Ouais, moi, on a l'impression que c'est de l'incontinence verbale, mon pauvre ami. Il fait pipi dans son croc. Voilà, sauf que malheureusement, voilà, comme il est voilà, dans une fausse religion, voilà, bah, il lui manque l'esprit, si vous voulez. D'accord. Voilà, 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 il lui manque l'esprit. On va laisser la parole maintenant à Mousse. Ah. Donc, moi je suis un peu gros. Là, il y a des sujets variés. Je peux répondre. Moi, je suis plus gros de l'habit actuellement. Alors, pour moi, la République est la vitrine légale de la France. Qu'est-ce que vous avez à lire ça? Mais ça n'aura pas de rapport avec le sujet. Mais vous foutez du monde là. Vous répondez à la question. Ça suffit. Mais vous foutez du monde. Vous se foutez du monde là. Arrête. Je réponds. Mais allez, arrêtez. Non mais, mon vieux, vous êtes un pauvre...